Bonsoir. Je remercie l'invitation pour être ici entre vous. Et je m'excuse déjà. J'essaierai de parler en français. Je m'excuse pour mes difficultés et mes fautes parce que ça fait longtemps que j'ai étudié à l'école la langue française. Bon. On va commencer à parler de cette thématique qu'on a choisie, les soins palliatifs pour les malades dans la phase terminale. Et on va commencer à parler un peu sur la mort et le mourir. Et je commence pour dire qu'il n'y a pas vie sans mort. Et il n'y a pas de mort sans vie. Parce que la mort fait partie de la vie. Tout ce qui matériellement vivre doit mourir. Alors, la mort a 100% de probabilité de se produire. Cependant, beaucoup de personnes vivent comme si la mort n'existait pas. Et autres personnes croient que le développement technique et scientifique est capable de la surpasser, pensant que quand elle se produit, c'est par un échec de la médecine et non parce qu'elle est inévitable. Toutefois, l'homme n'a pas toujours eu cette vision de la mort. Sur cette matière, Philippe Ariès, un important historien médiéviste français, dans son livre Essai sur l'histoire de mort en Occident, de moyenne âgée à nos jours, il notait que la mort de moyenne âgée au XVIIIe siècle était vue comme une mort sacralisée, une mort solidaire. La mort était un cérémonial public dans ce temps et les enfants participaient à cette cérémonie car la mort était naturellement présente dans la vie quotidienne. Par contre, à partir du milieu du 19e siècle et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la mort, selon cet auteur, Philippe Ariès, a commencé à être désignée comme la mort interdite. Et ce nom, mort interdite, traduit l'idée d'une mort plus en plus isolée, plus en plus médicalisée, plus en plus institutionnalisé et surtout caché. Mais pourquoi ces changements à la vision de la mort? On peut trouver quelques réponses. Au commencement, on doit penser que le développement croissant scientifique et technique a fait naître et grandir en l'homme la sensation de omnipotence. Mais il y a d'autres facteurs à noter, comme le lieu de décès est maintenant l'hôpital au lieu de la maison, et la perte de la ritualisation de la mort et la décadence du langage en rapport à la mort, qui est visible dans la réduction de la présentation de la mort dans l'art et de la littérature. Ce qui entre en contraste avec le Lazare Moriendi du passé qui ont fonctionné comme une référence solide et généralisée d'expression culturelle et spirituelle de la mort. Tous ces éléments qui en a parlé sont aussi en même temps cause et effet de cet changement. Enfin, il convient de noter que les développements techniques et scientifiques alliés à l'orgueil des hommes dans une société essentiellement matérialiste a diminué la croyance en l'âme et dans son immortalité, faisant ainsi naître le mythe compensateur de la survivance biologique. La mort est vue
non plus comme quelque chose d'inévitable et propre de la nature humaine, mais comme un échec de la médecine. Par conséquent, il surgit avec cette vision la nécessité de la cacher pour ne pas faire à ce qui est considéré comme un échec et ainsi, bien que inconscientement, maintenir la sensation de l'omnipotence de l'homme. Oups. Je m'excuse. Je sais. Oui, c'est ici. Bon. Et c'est bien souvent dans ce contexte que quand le médecin est confronté avec la maladie en phase terminale et se trouve avec sa incapacité de guérir son malade, il passe les bras et dit au patient, je regrette, mais il n'y a plus rien à faire. Mais ça c'est juste dire à notre patient qu'il n'y a plus rien à faire, quand c'est précisément lorsque le médecin dit au patient qu'il n'y a plus rien à faire, que celui-ci a plus besoin de l'aide. Car il n'est jamais senti aussi malade dans sa vie qu'à ce moment, et il n'a jamais senti la mort aussi proche de lui-même. Oui, c'est vrai qu'il arrive un moment où il n'est plus possible de faire quelque chose contre la maladie. Cependant, tout est à faire pour le malade. Pas pour la maladie, mais tout est possible de faire pour le malade. Il n'y a pas juste question de lui apporter une mort plus tranquille, mais aussi de lui permettre de vivre le mieux possible jusqu'au moment de la mort. Parce que on ne peut pas oublier que malgré le fait que mourir soit un acte banal, comme celui de naître, pour la personne qui est en train de mourir, c'est un moment unique et difficile de vivre dans ses multiples dimensions. Et c'est pour cela, c'est en reconnaissant cette souffrance que cette femme, Cécile Sanders, appelée douleur totale, et par la prise de conscience de la nécessité de la diminuer, elle a fait naître les mouvements des hospices dans le Royaume-Uni, plus tard qu'on a vu à s'appeler soins palliatifs. Au début, les soins palliatifs se faisaient dans la période immédiate avant la mort. Mais ces critères s'est élargi et aujourd'hui, on attend pour maladie terminale une maladie avancée, incurable et progressive. À ce début, ces soins étaient dirigés aux malades oncologiques, mais actuellement sont également inclus les malades avec des maladies chroniques progressives en phase avancée, comme par exemple les insuffisances organiques, insuffisance respiratoire, cardiaque, rénale ou hépatique, maladies infectieuses comme le SIDA en phase terminale et encore avec des pathologies neurologiques dégénératives avancées comme la sclérose latérale amyotrophique et les démences. Dans les principes comme principes généraux de soins palliatifs, on peut dire qu'ils affirment la vie, considèrent la mort comme un process naturel, ils n'anticipent ni retardent la mort de façon intentionnelle et donc n'incluent pas l'euthanasie dans cette pratique. Apportent au malade le soulagement de la douleur et de l'autre symptôme, intègre les aspects psychologiques, sociaux et spirituels des soins de façon à ce que les malades puissent assumer leur mort de façon aussi complète
et constructive que possible. Elle offre un système de soutien pour assister les familles à s'adapter pendant la maladie et le deuil. Et c'est dans ces principes généraux de la soin palliatif qu'on va aborder la prise en charge du patient terminal. On commence pour noter que quand quelqu'un est dans la phase terminale de la vie, ça entraîne une grande souffrance et que celle-ci n'est ni un symptôme ni un diagnostic, mais c'est une expérience humaine de caractère complexe. D'où l'importance d'avoir l'esprit du concept introduit par Cecily Sanders, mentionné ci-dessus, de la douleur totale, qui englobe la dimension physique, psychologique, sociale, existentielle et spirituelle. En ce qui concerne le symptôme physique, il convient de souligner que, indépendamment de la maladie de base qui a mené le malade aux soins palliatifs, les symptômes sont plus ou moins communs, comme la douleur, la dyspnée, la fatigue, l'anorexie, les nausées et les vomissements sont quelques-uns des plus fréquents. Parmi les symptômes psychologiques, les plus communs sont l'anxiété, la dépression, les altérations de rythme de sommeil et la irritabilité. Dans cette phase, il y a aussi une altération importante de l'image corporelle et une part fonctionnelle et une perte fonctionnelle progressive. Du point de vue social, il y a une perte de rôle. On arrête de travailler, perd le statut social, perd le revenu, perd de la capacité d'effectuer des tâches ménagères, etc. Et c'est également dans cette phase que se posent d'importantes questions existentielles. C'est quand le malade, confronté avec la proximité de sa finitude, va faire une réflexion rétrospective sur sa vie. Projets qui n'ont accompli, mauvais choix pendant la vie, remords, etc. Et aussi, il va faire une projection de l'avenir proche. La nostalgie anticipatoire, la peur du moment de la mort, le désespoir de l'inconnu. Et il y a aussi la question relationnée avec la justice divine. Cette question est très fréquente dans cette phase de la vie. À vrai dire, le patient cherche toujours un sens pour sa souffrance. Et on peut dire ici qu'il semble consensuel que les situations les plus difficiles n'ont pas à voir avec le fait de mourir en soi, mais avec toute la souffrance gérée par la maladie en état avancé et en progression. Et c'est dans ce domaine qu'il est nécessaire d'investir dans les soins aux patients en situation terminale. Il ne suffit pas de maintenir le malade avec des analgésiques et sédatifs. Il faut en prendre soin comme un être individuel, en respectant sa dignité et autonomie. Tout en rappelant toujours que la souffrance n'est intolérable que quand personne ne prend soin de celui qui souffre. Ce qui, en vérité, et en dernière analyse, veut dire quand personne n'aime. Et si on se pose une autre question, mais comment mener à bien ces soins pour ces patients en phase terminale? Bon, sur le sol français, je me sens quelque peu mal à l'aise pour parler de cette prise en charge parce que Marie Hennezel, pionnier dans le soin palliatif en France,
nous apporte la plus profonde, connaissance sur ce sujet. Ces connaissances sont basées sur la science, mais développées par une profonde certitude de l'existence du component spirituel et fortifiée par une expérience de celui qui a accompagné des centaines de malades dans leur lit de la mort. Marie Dienizel a transmis son savoir et expérience à travers de différents livres qui abordent cette thématique et qu'on a ici deux de ces livres. Mais on peut dire de manière succincte, on peut dire que prendre soin de ses patients exige de la connaissance scientifique et d'expérience clinique. Mais la science sans humanisme et sensibilité devient distante et froide. Aussi, l'association du composant humain est absolument nécessaire, puisque sans son inclusion dans la prise en charge du patient terminal, il ne serait pas possible de comprendre, aborder et intervenir dans les multiples dimensions de la souffrance. Il convient encore de souligner l'importance de l'évaluation spirituelle dans ce contexte. C'est l'unique domaine de la médecine où la question spirituelle est mentionnée dans la propre définition, affirmant que les soins palliatifs ont amélioré la qualité de vie des malades et de leurs familles qui font face à une maladie menaçante pour la vie, offrant le soulagement de la douleur et des autres symptômes, support spirituel et psychosocial depuis le diagnostic jusqu'à la fin de la vie et dans le deuil. C'est la définition de soins palliatifs de l'Organisation mondiale de la santé. Et en effet, pendant les dernières décennies, la spiritualité et ses possibles effets dans la santé comme dans la maladie ont éveillé un intérêt croissant et constitue l'objet d'études avec des centaines de publications dans des revues indigitées reflétant un inévitable changement du paradigme pour la médecine. Les articles publiés mentionnent pour la plupart que les personnes dotées d'une spiritualité ou religiosité plus importante tombent moins facilement malades, présentent un indice de dépression et de suicide moindre, récupèrent plus rapidement d'une maladie et quand confrontés à une maladie en phase avancée, atteignent plus rapidement la phase d'acceptation. Acceptation. Bon. Mais si c'est comme ça, quand on parle de la spiritualité globale, examinons à présent le plus près l'influence du spiritisme sur le patient en phase terminale. Si les bénéfices de la spiritualité et de la religiosité ont déjà été démontrés de manière générique, en parlant plus particulièrement de la doctrine des esprits, on peut affirmer en toute sécurité que celle-ci a d'importantes implications positives, que ce soit dans la manière dont le patient et la famille font face à la maladie en phase terminale, que dans la manière d'agir des professionnels de la santé. Pour les patients, cette doctrine constitue un facteur atténuant sûr, car à travers celle-ci, il reconnaît l'existence de Dieu.
prouve la communicabilité des esprits, confirmant ainsi qu'il existe une vie après la mort et par conséquent acquiert la certitude de sa survie à sa propre mort. Par la compréhension de la loi de réincarnation en tant que loi naturelle, il sait qu'il aura de nouvelles opportunités dans un parcours évolutif et qu'il ne perdra pas ses liens d'affection. Pour terminer, la connaissance de la loi de cause à effet lui permet d'accepter les présents sans le sentiment de colère et avec confiance dans la loi de justice et d'amour du Père. Et pour la famille? Pour la famille, la connaissance de la doctrine esprit représente un réconfort qui, malgré la sensation de manque de celui qui est parti, leur donne la certitude qu'ils vont se rencontrer dans les nouvelles opportunités de coexistence, convivialité et direction au bonheur. Et pour les professionnels de la santé. Bon, pour les professionnels de la santé, dans la doctrine Spirit représente le meilleur guide de conduite. Elle encourage l'acquisition des profondes connaissances pour l'exercice professionnel, mais tout cela en les prégnant d'amour et d'espoir, avec la certitude que notre diplôme appartienne à Jésus, comme Dr. Bezerra de Menezes nous a enseigné. Et même quand le professionnel de santé sent qu'il arrive l'heure difficile de transmettre le réconfort à celui qui voit la mort en face, on a la suggestion d'Alain Kardec qui a écrit sur ces sujets dans la revue Spirit et qu'on passerait à lire. Et on peut lire. Le médecin spirit, au contraire, dit à celui que voit la mort devant lui: mon ami, je vais employer toutes les ressources de la science pour vous rendre la santé et vous conserver le plus longtemps possible. Nous réussirons. J'en ai l'espoir. Mais la vie de l'homme est entre les mains de Dieu, qui nous rappelle qu'à notre temps d'épreuve ici-bas est fini. Si l'heure de votre délivrance est arrivée, réjouissez-vous comme le prisonnier qui va sortir de sa prison. La mort nous débarrasse des corps qui nous fait souffrir et nous rend à la véritable vie, vie exempte de troubles et de misère. Si vous devez partir, ne pensez pas que vous soyez perdu pour vos parents et vos amis qui restent après vous. Non, vous ne serez pas moins au milieu d'eux, vous les verrez et vous les entendrez mieux que vous ne pouvez le faire en ce moment. Vous le conseillerez, le dirigerez, le inspirerez pour leur bien. Si donc il plaît à Dieu de vous rappeler à lui, remerciez-le de ce qu'il vous rende la liberté. S'il prolonge votre séjour ici, remerciez-le encore de vous donner le temps d'achever votre tâche. Dans l'incertitude, soumettez-vous sans murmure à sa sainte volonté. C'est une guide qu'on peut utiliser quand nous sommes en face d'un malade de la mort. En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la prise en charge du malade en phase terminale
selon un modèle d'approche intégrale, est tenant compte des aspects physiques, émotionnels, sociaux et surtout incorporant la composante spirituelle, est, heureusement, en train de grandir dans le monde entier. Mais cette façon de prendre en charge le malade devra fonctionner en tant que modèle appliqué de manière transversale à tous les patients, indépendamment du diagnostic ou de sa phase évolutive, donnant ainsi corps à un nouveau paradigme pour l'exercice de la médecine. Rappelons que dans les sociétés actuelles, les réponses sociales aux plus vulnérables, notamment dans le domaine de la santé, constituent une importante indication du degré évolutif. Mais le degré d'évolution n'est pas obligatoirement proportionnel au niveau du développement socio-économique, mais bien du développement rural. Ainsi, pour terminer, j'ai apporté un message et un petit vidéo sur la maison du chemin André Luiz en Angola, qui inclut également la clinique Dr. Agostinho Neto, et où mon mari et moi avons eu l'opportunité sublime de séjourner. Et je dis opportunité sublime, oui. Car, en effet, malgré le fait que je travaille dans la plus grande unité de soins palliatifs de Portugal et l'une des plus grandes de l'Europe, c'était dans la clinique Dr. Agostinho Neto que j'ai pu voir en pleine action la thérapie intégrale guidée par la force de l'amour à toutes les malades et pas seulement aux patients en phase terminale, dans un exemple à être suivi par tout le monde. Et bien sûr, je vous montre la vidéo. C'est la partie plus difficile. Ok.
c'est le message que la présidente Amélie Kazan nous a porté quand j'ai parlé de le traitement du malade. Elle nous dit tout ça à cause de la thérapie transcendantale de l'homme intégral, comme la thérapie de l'amour. Et je vous dis que toutes ces photos qui sont ici sont de le chemin entre lui. Et je vous montrerai encore un exemple de cette thérapie de l'amour dans cette petite vidéo faite dans le chemin dans la maison du chemin entre lui. Gente carenciada, que precisa de grandes apoios, e nesse momento a SIACA tem esse vetor, né, das escolas educacional, o tratamento com os doentes. Por isso nós temos um número que se observa durante o dia de 300 a 400 pacientes em todas as áreas. O grande afluxo aqui é geral, adultos e crianças e mulheres grávidas. Aqui demos tudo de amor e muito carinho para eles serem atendidos e a mão de Deus também. Não há aqui nada que é cobrança, porque eles sabem disso mesmo. E por isso, como Deus está conosco, eles nos procuram toda hora. Trabalhar aqui é aprender a ter amor e saber o que é carência, amor ao próximo. Ver no olho do paciente o quanto precisa de amor, de carinho, de proteção, de ensino, tudo isso. Nós não vamos buscar só medicamento, vamos buscar também amor e carinho. O amar é sentir, o amar é estar, é participar na vida dos outros. On va dire que c'est possible. Peut-être ils n'ont pas beaucoup de médicaments, ils n'ont pas beaucoup de thérapies, beaucoup d'équipements pour traiter les malades, mais ils ont cette médecine, que c'est la médecine du futur, avec la tendresse, avec l'amour. Et on a aujourd'hui parlé qu'il y a beaucoup de façons pour traiter les patients au dehors. De les médicaments et de la technique scientifique. Et je crois que c'est cette façon. On peut lui donner un peu d'aide avec la connaissance scientifique, les médicaments, mais on peut prendre beaucoup des enseignements sur l'amour qu'on doit sentir pour notre malade. Pour terminer, en résumant, je dis que les soins palliatifs au service du patient en phase terminale, représentant le domaine de la médecine où la jonction entre la science et compassion et l'amour est déjà une réalité, est déjà un exercice constant d'aimer le prochain comme à soi-même. Et puis, de notre côté, l'exemple de la SIAC présenté maintenant nous montre qu'il est déjà possible d'étendre cet amour à tous les patients. Ces deux exemples apportent également la certitude de la croissance collective et individuelle de notre planète qui nous laisse entrevoir prochainement l'opportunité de transformation de notre monde en un monde de régénération. Et je termine avec les mots de notre maître Jésus quand il nous dit que celui qui a des yeux pour voir, voit, et celui qui a des oreilles pour entendre, attend. Merci beaucoup pour votre attention.